Ceci est une révélation prophétique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se passe-t-il quelque chose dans les cieux ? Non, du côté de Dieu, oui, du côté du diable. Dans cette période, l'ange de la mort est envoyé dans le monde. C'est le moment des récoltes pour lui. Dieu vous a libéré, non pas pour que vous en profitiez pour vivre votre vie comme vous le voulez, mais que vous serviez l'Éternel. Que se passe-t-il quand dans l'excitation, la surexcitation, des milliards de personnes dans le monde crient de toutes leurs pensées, de toutes leurs forces, de toute leur âme, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, chers chrétiens et chrétiennes, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et ils crient, un cri, non pas de soulagement, non pas de colère, mais de joie. Mais pas la joie de Dieu, pas la joie que le Saint-Esprit donne, une fausse joie. Que se passe-t-il ? Se passe-t-il quelque chose dans ce moment précis de la part du chef du monde, le diable, qui a organisé et créé cela de toutes pièces ? Oui. Que se passe-t-il ? Cette fébrilité, mes frères et sœurs, cette excitation, cette coutume, ne vient pas de Dieu, elle vient du diable, elle est créée, provoquée par lui. Pourquoi ? Parce que pour tous ceux qui y participent, plus leur implication est grande, plus l'effet sera grand. À ce moment précis, les personnes s'ouvrent spirituellement, s'ouvrent à quelque chose qui n'est pas sans conséquence, s'ouvrent à ce que le diable a minutieusement préparé. À quel point de minutie ? Au point où il est arrivé à faire prononcer à combien ? 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards de personnes, le décompte d'un point précis où émotionnellement, affectivement, mais aussi spirituellement, il s'ouvre non pas à Dieu, mais au diable. Et là, les esprits rentrent. Dans le monde, il y a une célébration qui se fait que 10 secondes avant minuit, il y a cet engouement, il y a cette excitation. Joie, mais surtout une excitation. Une surexcitation. Les 10 secondes de l'année parmi les milliards de secondes des 365 jours, les plus excitantes de l'année. Et ces gens, peut-être vous, crient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et là, c'est l'explosion de joie. C'est une célébration comme il n'y en a pas d'autre. C'est une célébration, une excitation encore plus grande qu'un fan de football qui marque un goal ou de son pays gagne la Coupe du Monde. Qu'y a-t-il de mal ? Qu'y a-t-il de mal ? Alors déjà, je ne sais pas de quoi vous vous réjouissez, parce que pour
beaucoup de personnes sur cette terre, l'année qui a passé n'était pas bonne ou très bonne, et l'année qui vient sera sûrement pas bonne, pas très bonne, voire pire. Et après cette excitation, le lendemain, il se réveille et la vie continue, rien n'a changé. Alors les gens peuvent se dire, oui, mais vous êtes-vous contre la joie ? Nous nous réunissons, la planète entière se réjouit d'une nouvelle année de bonheur, de joie, de prospérité. Ouvrez les yeux. C'est 10 secondes. Et cette dernière seconde et cette manière de célébrer a été instaurée par le diable. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette période des fêtes, non seulement la célébration de la fin d'année, mais Noël incluant, plus tous les préparatifs qui maintenant commencent dès début novembre, le diable est aux manettes. C'est le dictat des fêtes de Noël. Alors, tous ceux qui ont les moyens d'y participer peuvent aimer cette période. Mais il y a un grand nombre de personnes qui n'ont pas les critères, les laisser pour compte. Ceux qui n'ont pas l'argent pour faire ce qui était des orgies, mais qui est maintenant des festins, qui n'ont pas les moyens d'acheter ce que le dictat leur dit d'acheter, comme par hasard des produits les plus chers. Ils n'ont pas les moyens de boire du champagne. Ils n'ont peut-être pas de famille. Ils n'ont peut-être pas d'amis. Ces personnes se sentent exclues. Ces personnes, à ce moment-là où ils voient le monde entier se réjouir, et ces gens-là se sentent profondément exclus, rejetés, dévalués, défavorisés. Et le diable en profite. Le diable n'est pas là pour ceux qui fêtent Noël. Le diable est là pour ceux qui ne peuvent pas le fêter. Ceci est une révélation prophétique. Alors que dans cette période de fête de fin d'année, beaucoup de commerces font une part grande de leur chiffre d'affaires annuel, 10%, 20%, peut-être plus pour certains, le diable fait une grande partie de son chiffre d'affaires dans les périodes de Noël également. Quelles affaires ? Je ne parle pas de cadeaux. Je ne parle pas de la nourriture. Je ne parle pas des décorations. Je ne parle pas des fêtes, des sapins de Noël. Ça, le diable, il le donne, ces cadeaux, pour ceux qui fêtent dans l'esprit païen. Dans quelle affaire est le diable ? Le diable est dans le commerce de la mort. Et la période des fêtes de fin d'année, c'est la période dans le monde, depuis je ne sais quand, mais depuis longtemps, où il y a le plus haut HAUT taux, TAUX, le plus haut taux de suicide dans le monde entier. Ne dites pas, oh, et alors qu'est-ce que j'en ai à faire ? La période de fin d'année, renseignez-vous, est le moment où il y a le plus haut taux de suicide dans le monde entier. C'est là où les gens se suicident le plus. C'est le diable qui fait cela. Ce sont les fruits de ces fêtes que de produire la mort. Il produit une fausse réjouissance chez les
païens et les gens du monde, mais pire, chez les croyants qui connaissent la vérité et la Bible, mais qui dansent quand même sous les chandelles du diable dans cette période. Alors que Dieu leur a dit de ne pas suivre les coutumes des païens, et à ce moment-là, dans cette période, l'ange de la mort est envoyé dans le monde. Et c'est le moment des récoltes pour lui. Le diable donne d'un côté ce qui paraît être la joie, l'union et l'amour, mais la réalité cachée que certains ne peuvent ou ne veulent pas voir, c'est la mort. Suite à la vidéo que j'ai faite, que vous pouvez trouver en tapant sur YouTube « Alan Rich et Nouvel An », beaucoup de personnes dans les commentaires m'ont dit « Mais oui, mais alors, s'il n'est pas bon pour un croyant chrétien ou messianique de fêter l'année solaire ou l'année du monde, que devrions-nous fêter ?» Donc, je pourrais dire, j'ai été étonné qu'un chrétien me demande qu'est-ce qu'il doit faire en tant que chrétien, il devrait le savoir, mais je sais, ce que je connais l'ignorance, je connais le voile qu'il y a, je connais l'œuvre du diable chez les chrétiens. Je ne suis pas étonné. Je veux faire un parallèle important. De nouveau, je ne pensais pas parler de cela. Je pensais en parler dans la période de Pessah, de Pâques, qui va se passer en avril cette année 2020, mais qui se passe tous les ans à une période différente, parce que le cycle de la Lune n'est pas aussi circulaire que celui du Soleil. Si les fêtes de l'Éternel ou les choses dont je parle vous intéressent, la plupart de ces enseignements, je ne les fais pas en public, mais uniquement à ceux qui sont vraiment intéressés. Vous pouvez aller sur tvyeshua.com 24h sur 24, 7 jours sur 7, où je ne parle que de cela. Il y a un parallèle avec le début de l'année, on appelle religieuse, mais pour moi c'est spirituel, de Pessah, qui correspond à mars-avril et qui correspond à la sortie des Israélites de l'Égypte. Pour les débutants, l'Égypte correspond à la mort, correspond au monde, correspond au péché. Et donc, Dieu a arraché du péché les croyants en Yeshua. Et n'oubliez jamais que Dieu a dit à Moïse, et Moïse a dit à Pharaon, symbole du diable, « Laisse aller mes enfants, laisse-les sortir. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Pour qu'ils pratiquent les fêtes païennes ? Pour qu'ils se prosternent devant des idoles et des statues ? Pour qu'ils vivent simplement leur vie, pour qu'ils soient simplement libérés de l'esclavage et du péché, non, afin qu'ils me servent, l'Éternel a dit. Dieu vous a libérés, non pas pour que vous en profitiez pour vivre votre vie comme vous le voulez, mais que vous serviez l'Éternel. Pourquoi est-ce que cela devrait être aussi le début, le vrai début d'année du croyant, parce que c'est le début de votre vie spirituelle. C'est le moment où vous avez été sauvé. Et chacun d'entre vous avez vécu cela, vous qui êtes sauvé. Il y a un jour dans votre vie que vous connaissez, où vous avez entendu l'Évangile, vous avez accepté de faire confiance, de marcher, d'obéir, vous avez la foi donc, et vous avez été sauvé. Et c'est ça le commencement de
la célébration et de la vraie joie. Déjà, votre joie pour vous d'être passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, d'être passé du lac de feu au paradis, mais pour remercier également Dieu. Donc c'est une fête personnelle, parce que nous avons tous été sauvés à un moment différent. Pour pouvoir sortir des griffes de Pharaon, des griffes du diable, Dieu a dit qu'il fallait sacrifier un agneau sans tache, sans impureté, innocent, et qu'il fallait le tuer et mettre le sang de cet agneau sur les ponteaux des portes. Et Dieu a dit, à minuit, l'ange de la mort va venir se promener dans toutes les rues d'Égypte. Et il tuera le premier-né de chaque famille, à part dans les maisons où il y a le sang de l'agneau immolé sur les ponteaux de sa porte. Peu importe, l'ange de la mort, son problème n'était pas de savoir qui était dans cette maison, combien étaient-ils, s'ils étaient gentils ou méchants. C'est le sang. En voyant le sang, qu'il n'avait pas le droit de tuer le premier-né. Je n'ai pas le temps et ce n'est pas l'objet de cet enseignement de rentrer plus profondément dans les détails, dans la profondeur de ce message. Je survole. Dieu voulant, évidemment, que le moment venu de Pessah, je ferai un enseignement, peut-être avant, je ne sais pas. Si Dieu le veut, il me le demande, j'obéis. Je le répète, plusieurs m'ont demandé, ça m'intéresse ce sujet, pourquoi ne faites-vous pas de vidéos? Il y a de centaines de vidéos exclusives, qui ne sont pas sur YouTube, sur tvyeshua.com. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Réfléchissez, méditez et priez pour tout ce que je viens de dire. Je suis un serviteur de Dieu, Alain Rich, et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, c'est Jésus en français. Shalom. Voyons quelques passages de la parole de Dieu. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Ainsi ils craignaient l'Éternel, et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. 2 Rois 17, 8, plus 19, plus 33.